Ok, bonne nuit, Ansel, repasse quand tu veux, c'était cool. Des bisous. Hop. Voilà, nouveau. T'as une équipe, petit gars? Ouais, et prête à en découdre. Au point nommé, veux-tu me donner long, auto? Je vais essayer de saisir dans mon système dans l'école. À ce propos, je n'ai pas trop été donné dans le système, auto. Tu as dû. D'où as-tu été transféré, au juste? Yo, les inscriptions droits sont clôturées dans 5 minutes. Ah, j'étais transféré du lycée Dégonfly-sur-Orge. Par le héros, quelle horrible école. Nous sommes heureux de t'accueillir. Bien, je t'accouille pour les noms. Je suis très curieux de savoir qui est le troisième membre. Très bien. L'équipe compose de moi, Otto, de Mina et de Baudruche. Oh oui, c'est moi, bien sûr. Chouette. Ah bah il est heureux. Ah bah non. Quoi? Mais je sais pas jouer du tout, moi, Otto. Tu l'as vu, l'ancien Bonny? Je suis nul. Je suis si effrayé que ma tête explose. Détends-toi, mec. Tu n'auras pas à jouer. C'était la seule manière d'inscrire à temps. Tu te balades sur le terrain et c'est bon. Le fraudeur. Excusez-moi, je suis venu m'inscrire, c'est mon... Oh, oh c'est toi. Cool, toi aussi t'as une équipe. Oui, je me compte bien m'en prendre en revanche. Quoi, ici? Oui, tu vois, Nino risque de ne pas pouvoir te battre. Tu vois, Nino risque de ne pas pouvoir te battre tout seul, tôt. Mais maintenant qu'il a rejoint mon équipe, c'est une autre histoire. Jouons sur les règles de prison. Les seuls qui finiront en prison, ici, c'est vous, les gars. Putain, j'arrive plus à faire toutes les voix. Mina, tu dois revenir à la raison. Wouhou! Jurais, je savais pas qu'elle se comportait comme ça. Il se fiche de moi ou quoi? Otto, quand on joue sur la règle des prisons, les joueurs touchés viennent se placer derrière les adversaires. Ou dans leur cas, derrière nous, ils vont nous mettre en quatre la pression de dos. On s'en rend la balle prisonnier du coup. Pour chaque adversaire prisonnier, le match viendra de plus en plus corsé. Ah, oh, ça a l'air amusant. Ok, tiens, attrapé. Tu voulais un match? Tu m'en envoies un. Oh, excellent, je t'attends. Faut que ce soit végétal. Excellent, je t'attends. Hop. Bon, je préfère aller voir une voix de... la voix de Oui-Oui. Une voix aiguë comme ça, ça lui va bien, je trouve. Hop. Boum. Hop là, on récupère Carmi chez nous. Otto, l'un des adversaires a été touché. Il va continuer la partie dans la zone derrière toi. S'il parvient à intercepter une balle, attention à son attaque. Ah zut. Ah ouais, oula, ça a vite l'air compliqué du coup. Otto, si les pieds d'un équipier baisse, tu peux changer de joueur avec RT. Ok. Oh les mecs là, boum! Eh toi tu passes derrière. Ah c'est vrai qu'il y a la... Ok, il y a le PV de Mina en bas. Hop, j'aimerais bien lui faire une bonne voix Mina, mais j'avoue que pour faire des voix un peu féminines c'est un peu galère quoi. Hop. Youp. Boum. Non! Oh, je suis dead. J'ai dead ça. Non! Ah, j'ai perdu. Merde. Ah, parce que l'autre quiche, il jouait pas ici, là.
Si l'autre il joue pas, ça va pas le faire. Ok. C'est donc pas si facile que ce que je pensais. Ok, boum. Non, c'est pas juste. Hop. Auto, elle devrait être touchée. Ok. Oh merde! Ah non, c'est tout pris. Putain, j'ai switché, puis quoi, ils ont envoyé la sauce, quoi, merde. Ok, il faut que je... Bon, je bourre sur lui, du coup. Voilà. Et maintenant c'est juste un duel contre l'autre. D'où il me frappe plus le mollet. Autant, si bien des kicks baissent, tu peux changer les joueurs à carte. J'ai pas dit Arte, enfin, j'ai pas compris. Ah putain. C'est bon. J'ai gagné. Winner. Wouhou. Hop. Putain, bravo Mina. Gant jaunâtre. Et jaunâtre Bowser. Bien blague. Et jaunâtre Bowser. Non mais ça ne va pas. De quoi tu parles? Vous avez dit que j'étais faible et que vous conduiriez à la victoire. Mais vous deux, êtes encore plus faible. Vous n'êtes même pas donné à fond. Elle fait pas vuf. Vous croyez que c'est un jeu? Eh ben oui. Vous êtes enfin prêt à ma progression. Notre contrat est fini. Et toi, Otto, je te battrai avec ou sans pouvoir. Ok. T'es content? Il a fait perdre notre meilleur joueur. Hein? Et en quoi c'est ma faute s'il vous a largué? C'est vous qui lui avez dit qu'il était faible. Selon moi, c'est votre faute, plus votre faute que la mienne. Faut faire bon ta faute. Il faudrait. Ah, c'est flip, ça fait perdre. Et peut-être qu'on ferait aller en quart de finale. Place la barre très bas là. J'ai peut-être une tronche de cube, mais je la garde sur mes épaules. Alors laisse-moi te dire une chose. Tu nous payeras ça, Otto. Ils ont le droit de me provoquer comme ça? Je crois qu'il est très important pour les élèves d'apprendre à gérer les provocations. Il est aussi, aussi laxiste que... que Dumbledore. Dur. Enfin, on a mis autour d'appareil. Oh oh oh, mais évidemment, j'attends de grandes performances de votre part. Ah, vous êtes qui, monsieur? Je suis le principal de cette institution, oui oui. Avec des élèves tels que vous, je ne doute pas que le tournoi sera passionnant. Ah, une dernière chose, il faut un nom pour votre équipe. Ah non, pas mon équipe. Je crois que je vais choisir les escamoteurs, les rentes dedans ou les dents blanches. Les escamoteurs, c'est rigolo. En même temps, le rentre dedans, c'est pas mal. Allez. Je pense que je vais aller pour. S'il y a encore quelqu'un qui regarde ce stream incroyable, je vous laisse. Je vous laisse me diriger. Hop. Mais je pense que. Entre le 1 et le 2, mon cœur balance. Parce que escamoteur c'est rigolo dans le nom, mais rentre dedans aussi c'est rigolo, on fait que voilà, on casse tout quoi. Bon, en vrai va pour les escamoteurs, c'est rigolo. Les escamoteurs, hein.
Ouais. Ma foi, c'est ton équipe après tout. Bonne nuit, Otto. Ça va ton compagnon de la chambre. Tu es bien compagnon de dortoir. Mais bien sûr, venez les gars. Ouh. Wouhou. Vous n'êtes pas impatient de partir au tournoi. Oh, c'est vous. Vous avez vu ce match. Quel est le verdict du champion en tête dans les nouveaux élèves? Comparé à moi, ils sont tous minables. Objectivement, je veux dire. Le tournoi pourrait se révéler intéressant. Eh bien, quel soulagement. Nous devons en mettre plein la vue lors de le tournoi si nous voulons prouver notre valeur à la Fédération Internationale de Dodgeball. Ou comme disaient les jeunes, la FIDD. Qu'en penses-tu, vampire? C'est ce qui se passe vite qu'on a foudre. Je confirme, vampire. Oh, quel rapport avec ce que je dis. Je dois y aller. Désolé, vétérisé. Ma tâche ici est terminée. A plus, bande de vieux. Ce jeune homme a un problème de comportement. Effectivement. Ok, je vais t'en donner toi, Otto. C'est dans l'espace de loisirs. Tu te rappelles? Tu peux consulter ta carte comme toujours. Ce jeu est bien cool, je dois bien dire que c'était plutôt chouette de le lancer. Et toi, une partie rapide, ça te dit? Il y a vraiment un petit film Pokémon quand je lance un combat, ça c'est cool. Ah bah, de toute évidence, tu es nul. Okay. Ah d'accord, okay. Une fois que j'ai la balle, je peux switcher. Vas-y, je vais jouer. Là. Oh, boum. Hop. Ah d'accord, ok, du coup elle a pas de elle a pas de réception par contre, elle fait des renvois du coup. Boum. Elle tape fort. Elle met des patates. Wouhou. Putain, je kiffe les animations des persos, ils sont tous ultra. Ultra soigné, ultra vivant. On dirait vraiment s'il y a un dessin animé sur ce jeu, je ne serais pas surpris quoi. Tout est trop chouette. Oui, oui, oui. Toi, Bleuzaï, tu penses pouvoir nous battre? Tous les trois? Ah, les trois en même temps. Ah, vous êtes tous des clones, c'est pas possible. Vous n'avez aucun charisme. Ah, du coup, c'est un peu relou qui fait que des contres. Du coup, faut absolument que le mec soit dans la ligne de mire, quoi. Hop. On peut juste prendre et hop dans sa gueule. Vas-y, mon petit auto, reprends. Boum. Let's go. Il est vraiment trop chaud, le héros, je kiffe trop. Hop. Aïe. Mais je vois un anime de jeu en fait. Je vois un anime de 60 épisodes, je regarde tout quoi. Hop. Mais en même temps, on peut y jouer, donc est-ce que c'est pas mieux d'un sens? Voilà, vous êtes acteur vous-même de l'action, c'est incroyable. Hop. Zut, zut. Voilà. On revient ma balle. Voilà. Tranche d'ananas. Oui, du coup, j'ai récupéré un item d'ailleurs. Non, équipe, c'est pas équipement. Ah là là, la langue française. On peut lui mettre deux gants, elle. Regardez un peu en bas quand même. C'est quand même la moindre des choses. Alors qui c'est qui a une katane accessible?
Et toi? Je vois que tu es nouveau ici. Alors je te préviens. Je suis loin d'être le meilleur joueur du coin. Je suis de loin le meilleur joueur du coin. Tout le monde, même Boris, te le dira. Alors oui, juste pour ton information, le King ici, c'est moi. J'ai vu ce dont Boris est capable. Ça donne encore plus envie de t'affronter. Hé, t'as du courage. J'aime ça. C'est génial, t'entourer d'autant de joueurs formidables. Rien à voir avec mon ancienne école. Bon, monsieur le King, on s'affronte. Boum, le défi quotidien. T'es sûr de vouloir? Vraiment, sûr de chez sûr. Sinon, je suis archi sûr. Non, parce que je suis super balèze. Il serait donc tout à fait mal que tu cites ne pas affronter. Je le dirai à personne, juré. Bon, pour la dernière fois, tu es vraiment, vraiment sûr de m'affronter. Oui, affronte-nous. Bien, je t'aurais prévu. Prépare-toi. Enfin. J'espère qu'il va dire. S'il est craqué, ce serait drôle. En même temps, s'il claquait au sol, ce serait aussi drôle. Donc. Il a qu'un seul PV. C'est vraiment du génie. Il donne un centime. Tu l'as raquetté d'un centime. C'est vrai que ça, du coup, c'est encore plus Pokémon. Vu que tu raquettes les gens quand tu les bats. C'est encore plus Pokémon dans ce sens. Oui, 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 bien joué. Bah alors, je croyais que t'étais le meilleur joueur. Ah, je suis fort, je vais te le prouver. Reviens plus tard, tu verras, je vais m'améliorer. Je peux dire mon dernier niveau. D'accord, d'accord, j'ai hâte de voir ça. Bon bah, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Hop. Là, il y avait un truc à casser là. J'étais cassé. Alors. Zut. J'ai obtenu une mandarine. On a une bonne nuit sur la forêt ici. C'est bien vrai. Je suis tout à fait. D'accord. Je suis aussi tout à fait fatigué. Alors, les Dartouers. And this is Super Sonic Race. And this is Super Sonic Race. Ah, c'est bloqué ça. Oh, mais même la bûche, regarde. Regarde-moi la petite barque et tout. Oh, c'est magnifique quoi. C'est beau quand même. C'est pour les jeux vidéo. Surtout quand il ressemble à ça. Ah, voilà, on y est. Stylé. Alors, t'en dis quoi? Entrons. And this is Super Sonic Crazy. Alors. Et voilà, et je vais faire le tour. Vas-y, faire le tour. Ah, et genre, du coup, ça, c'est juste à nous, en fait. Il y a qu'un seul appart sur le campus, et à nous. C'est génial. On a des tas de paris dispo. Même un PC qu'une Bolt TX 3080 toute neuve. Ok, Otto. Notre chambre est au premier étage. Mais non, une Bolt TX 3080 qui fait du Bolt Racing. Mais c'est le futur. Ok. Boum, je casse la télé. Waouh, regardez-moi ça, une Okama Gamesphere. Oh, mais je le reconnais, c'est la souris de Funky Town. On fume un pétard. Waouh, on peut laver son linge. Bravo, boubou. Ok. Alors, regarde-moi ça, le petit ondulateur, il y a un petit micro, le petit cafetière en haut là. Du petit fouet, une petite pizza entamée, voilà, un petit frigo, une petite gazinière. Le soin du détail, voilà, je... C'est trop, trop bien, quoi. Dortoir. Ah non, du coup, ça c'est un truc commun, et ça, c'est les dortoirs, du coup. Ok, j'imagine que je suis là. Il y a des toilettes, là. Des toilettes mixtes, si je comprends bien. Hop.
Super, ils ont rangé mes affaires, pile comme j'aime. Ouais, la semaine d'après, on verra demain matin. Je sais pas qu'elle voulait faire. Moi, je pense que c'est une nouvelle sympa. Dors bien. Tu peux te reposer dans le lit chaque fois que tu as envie. Pense à bien te reposer pour demain. Que les jeux commencent. Dors bien dans ton lit. Oui. Faut garder ce cadavre, il faut bien dormir. Je suis vraiment ici. Je peux y arriver. Je peux décider de mon avenir. Bonne nuit, Baudruche. Merci pour cette visite de l'école. Pas de soucis, Otto. On mettra la gomme demain. Hop. Le lendemain. Bon, bonjour, Otto. Bonjour, c'est quand notre premier match? Hein? Je sais pas, on a cours là. Cours? C'est quand même une école, tu sais. On a cours avec Fortunato aujourd'hui. Oh! J'en ai ma claque des cours! J'ai 11 ans, je vais partir à l'école avec Pikachu. Mais on n'a pas encore eu seul. Il y en avait beaucoup dans son ancienne école, non? Ok, oui. Bon, allez, finissons-en. Promis, je te regarde. Salut! Salut les gars, c'est parti pour la journée! Hop. Oh, la chambre, là, le choix de la chambre et tout. Le petit PC, là. Oh, c'est lourd. C'est lourd! La fatigue. C'est génial le jeu, je vous dis. Non, je ne rentre pas, dommage. Dis donc que j'ai du là, toi. Bon, ok, utilisez le micro-ondes pour chauffer les spaghettis hier soir. Il y a la sauce tomate partout. Hors des questions que je nettoie. Je ne connais que trop bien. Quelqu'un a mangé mon sandwich encore! Pourquoi c'est ça que j'écris mon nom dessus? Oh le salaud. Hey, quelqu'un a vu la télécommande ATI quelque part? Ce trophée est vraiment trop classe, heureusement que je gagne un jour. Je suis en train de créer le meilleur jeu de société dans ce de ball de tous les temps. Mais tout ça. Tout ça. Eh, hey, je te lance un défi. Et tu peux pas refuser. C'est comme ça que ça se passe à l'Académie Dodgeball. Pikachu. Hop. Boum. Ok. Assiste! Boum! Elimination. Elimination. Élimination, élimination, élimination. Hop. Boom. On a pris l'échauffement. Aïe, battu par un petit nouveau.
Techniquement, vous êtes possiblement aussi des premières années, à part si vous avez tous redoublé. Hop. Ouais, peut-être que le mec, peut-être qu'il est en L2, je ne sais pas combien d'années il y a à l'académie de dodgeball, je dois bien l'avouer, je ne sais pas combien de temps il passe. Hop. Ta force augmente définitivement, ok. Compétence, ok, j'ai hâte de voir si on peut faire des coups spéciaux, je sais pas quoi. Interception, saut. Ok. Okay, le groupe sanguin, ça veut rien dire. En tout cas, on a le même groupe sanguin, ça c'est beau. Plus, anniversaire le 27, le 16, ok. Écoutez, s'il y a vraiment des mecs déter du jeu, ils retiendront tous les anniversaires des persos. Pas si vite, t'es mon prochain adversaire. Bagarre, je fais tous les petits combats random, parce que j'aime bien. Parce que le gameplay du jeu est rigolo. Bon, du coup, c'est comme Paper Mario, hein. C'est genre, du coup, on essaye plus de faire des combats RPG, on fait autre chose. Comme dans Origami King. Hop. Boum, on en parle plus. C'est vrai que voilà, du coup, c'est cool que finalement les indés ont réussi. Ce qui est cool, c'est que les indés ils se réapproprient beaucoup des formules Nintendo, mais en faisant des trucs eux-mêmes, quoi. Des trucs que finalement les gros éditeurs n'allaient pas trop tâter parce qu'ils étaient en mode Nintendo c'est le king dans son genre, on va pas trop l'emmerder, quoi. Et finalement, c'est vrai que grâce aux indés, on a eu beaucoup de Zelda-like, beaucoup de Metroid-like, beaucoup de Paper Mario-like. Du coup, ça, je trouve ça une des choses plutôt cool. Pareil pour les Pokémon-like aussi, il n'y a personne qui allait s'entourer sur Pokémon, quoi. Hop. Joie, voilà. Merci les indés, c'est cool pour ça, c'est cool de voir d'autres développeurs prendre les recettes des gros et essayer de se les réapproprier. C'est voilà, c'est rentré chouette. Je crois que le Dodge Store a ouvert aujourd'hui. Le Dodge Store, mais ça ne veut rien dire. Donnez-moi un carrefour pour que j'aille acheter mes pâtes. Et n'est-ce pas un merveilleux jour pour se battre? J'aime les shorts. Hop. Allez, hop, la caméra. Encore un truc, hein, le truc que je serai jamais satisfait sur ce stream, c'est bien la caméra. Ouais, il l'a ralenti. Ah, ils font des petites feintes, hein. Les salauds. Boum. Alors. Hop, merde. Non. Non. Arrêtez. Voilà la merde. Il y en a qui est directement sorti. C'est bon, on a gagné. Wouhou! Victory. Un meilleur jour pour se faire battre. Maintenant que la boutique a rouvert, on va pouvoir s'équiper pour le combat. Le combat, on va acheter des épées et des boucliers. Ça se passe comment? Ah, c'est lui! Ce Sarkozy qui gère la boutique. Oui, ce Sarkozy. Hop. C'est beau. Tiens, je peux aller croire. Ils ont finalement sorti une nouvelle figurine de Magical Dodge Girl. Ils me les faut toutes. Magical Dodge Girl. Hop. Cette nouvelle paire de Dodge Air 91, c'est trop la classe. Avant, j'adorais y jouer. J'adorais les jeux de société comme les aventuriers de Dodgeball. Mais dernièrement, je suis un peu plus des jeux de rôle. Avec mon groupe, on est plein de compagnons. Ah non, moi, dernièrement, je suis plus jeu de rôle. Avec mon groupe, on est plein de campagnes de ballons et dragons.
Oh, mais qui voilà, un type avec une dégaine de protagoniste. Bienvenue dans ma boutique. Très sympa, ça en fait des marchandises. Oh, tu me flattes. J'ai un peu de tout, oui. Équipement, couvre-chef, chaussures, même certains goodies de l'Elysée. Du coup, je te dis, le choix est un peu limité en ce moment, remarque. Mais n'hésite pas à repasser, je reçois sans arrêt des nouveautés. Tu veux voir le catalogue? Alors... Les chaussettes, toi casque. Moi je t'en casque, je pense. Hop. Allez, la mettre quand même. Ok, on se cause. Revenez quand vous voulez. Quelle dignité. Ouais, on va assister au cours et après je pense qu'on s'arrêtera là pour ce stream parce que sinon je vais mourir. En tout cas le jeu est vraiment cool, donc je pense que ça va être mon jeu du moment quoi, franchement. Je risque de le poncer. T'as eu de la chance à la fois, mais aujourd'hui j'ai un bon petit déj. Alors ça va pas être la même chose, t'es prêt? En garde. Merde. What? Wesh! Il est trop chaud! C'est passé what? Non! Je suis une quiche! Faut que je réessaye. Non, je dois réessayer. Ah merci, c'est gentil. J'entendais pas, mais il m'a broyé dès le début. Il m'a mis trop cher. Ah ouais, mais what the fuck. Il me met ça 60 dès qu'il me touche. Totalement craqué, les gars. C'est passé what. Mais wesh! Oh, what? On est où là? À quel moment il m'a mis si cher? J'aurais peut-être dû équiper mon casque aussi, faut le dire. Mais bon, je veux pas savoir moi. On est où là? Hier t'étais nul, t'avais un PV là. Il se passe quoi là? Regarde-moi ça! La vitesse qu'il fait des fois! C'est pas l'heure pour avoir des réflexes! Hein. Calmos! Calmos! Hop là, vas-y, bourre-le derrière! C'est parfait! Non! Putain, j'étais presque! Faut vraiment pas que je le fasse toucher quoi! C'est l'entraînement ultime! C'est le premier épisode de Invincible, là, quand son père lui met une patate, il est direct au sol. Hop. What the fuck, 120. Mais wesh, on est où là? Non, ça va pas, ils ont... Mais ils ont fumé la moquette. On est où là? Mais wesh. Mais je... Ça suffit. On arrête de craquer son slip comme ça. Salaud. En plus, il se permet de faire des feintes, cet enfoiré. Oh, aïe, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je dirais que prendre les deux balles. Raf. Ah, la moelle. Hop. Non, mais ça veut rien dire, ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi la balle, elle fait ça? Je comprends pas. Pourquoi des fois ça fait des trucs... Oh putain, mais ouais. Calm down, man.
C'est bon. Eh ben dis donc, il était énervé aujourd'hui, hein, ça déconne pas. Je pensais que pour la vanne, il aurait été genre 2 PV, quoi. Ça aurait été rigolo. Par contre, pour la vanne, on continue qu'à gagner, du coup. 22 d'expérience et 22 d'argent. Oh, bien joué, je vais m'améliorer. Reviens voir. J'ai obtenu un jus d'accélérola. Objet, accélérola. Augmente finalement, définitivement l'attribut de ta force. Boum. Manger pour gagner un sac de TPV. Ok. Oh, et vous trois, premier jour de cours? Tous vos cours se déroulent au premier étage. Le bureau du principal est également là-haut, au cas où. Oh, d'accord, merci. Trop stylé. Allez, le premier, c'est parti. Dis, tu peux m'aider? C'est la journée d'Apple, à partir de l'équipement, et j'ai oublié le mien. Tu pourrais passer au Dodge Store pour m'acheter du matériel? J'ai encore des devoirs à terminer en début des cours. Pourquoi je t'aurais réalisé? Achète-moi ce que tu veux, tout fera l'affaire. Voici de l'argent. J'ai obtenu 6 dollars. Achète impulsif. Ok, bah. Achète n'importe quoi Dodge Store, c'est juste histoire que j'aille pas en classe avec les mains vides. Ok, bah. Je sais pas si je peux gagner mon pansement. Alors, faut que j'aille acheter un truc. Ok. Allez, le cours. Du coup, c'est à la fois une académie très japonaise en même temps très américaine. C'est un petit peu la fusion des deux. Vous êtes légèrement en retard. Très bien. Je vais fermer les yeux pour cette fois, vu que c'est le premier jour. Aujourd'hui, nous allons parler des coups ultiballes. Hier, vos capacités latentes ont été éveillées en touchant le dodgeball du héros, la cérémonie. Aujourd'hui, vous apprendrez à les appliquer. Oh! Commençons par un batch. Oh! Qui veut passer en premier? Oh! Moi! Nous voyons voir, pourquoi pas Mina et... Moi! D'accord, Mina et Hoto. Ouais! Je te préviens, c'est au taquet. On y va, Otto. Commençons par les tirs chargés. Tous les élèves sont différents à chacun, donc de faire ses propres expériences. Chargez votre lancer avec X quelques instants de relâcher. Ah, du coup, vraiment, le gameplay se complexifie et ça, c'est cool. La charge est suffisante, votre corps se met à rayonner. Maintenant, commençons par Otto. Montre-nous trois tirs chargés. Bam! Ah ouais, il enflammait et tout. Oh la vache, je peux lancer du feu! C'est tout dinguerie, j'adore ces tirs chargés. Ça c'est vraiment PX300. Et enfin un personnage de jeu vidéo. Oui, très bien. Oh ouais, un tir électrique! Lumière est topissime! Intéressant. Mais elle était pas censée être là depuis un petit moment, elle. Parce que le jeu est incohérent. Ah non, tu n'as pas assez chargé assez longtemps. Matérialise jusqu'à ce que ton corps se mette à rayonner. Parce que le mec il disait, ouais, elle a bu déjà plusieurs mondes ici et tout. Du coup, c'est le premier jour, elle a déjà démonté plein de gens, peut-être. Allons, tu n'as pas chargé assez longtemps. Matérialise jusqu'à ce que ton corps se mette à rayonner. Ah oui, je suis bête. Excusez-moi, mais... Bravo à vous deux, un grand bravo. Bien, intéressons-nous maintenant au coup ultiball. Surveillez la jauge ultiball sous votre jauge de PV. Une fois remplie, vous pouvez libérer une puissante attaque. Elle se remplit progressivement et vous pouvez maintenant l'accélérer avec une interception ou un contre. Mina, tu veux bien passer la première? Je vais charger ta jauge ultiball. Si ça te veut rien dire. Oh, trop cool, je le sens, oui! Otto, attention les yeux.
Oh oui, n'oublie pas non plus de ramasser des ballons pour asséner ton coup ultibal. Je vais mourir. Ouais. Bouh. Fait mal. Oui. Oui. J'aurais peut-être dû esquiver, ouais. C'était incroyable, j'ignorais que je savais faire ça. Parfait, Mina. Très belle démonstration, ma foi. Maintenant, laissons ton faire une tentative. Je vais charger ta double cultibal. Oh, c'est génial. Je me demande quel est mon cultibal à moi. Je parie que ça va dépoter. Boum. Ultiball. Meha, meha. Il s'est passé quoi? C'est le truc le plus curieux du jour. C'est vraiment Hadouken ce qu'il fait. Ah oui, il me semble que tu n'es pas encore vu tout ton potentiel auto. Le temps viendra où tu pourras réaliser un cultiball, Linus, non. Ça n'arrivera que quand tu auras le plus besoin. Tu dois juste te montrer patient. Oh, c'est shonen. C'est shonen. Cette histoire d'ultiball, c'est top. C'est pas juste, pourquoi j'en ai pas? A priori, Otto tient plus du zéro que du héros. Ouais, tu as trouvé ça tout seul? Ou c'est Nani qui te l'a fini en anti-sèche? C'est pas un anti-sèche, c'est un mot d'excuse de ma mère, d'accord? Ça suffit, vous deux. Voilà qui est bien curieux. Certaines personnes éveillent leur pouvoir en situation de stress, ou d'autres ont un déclic émotionnel. Otto fait sûrement partie de cela. Chacun son rythme, il n'y a rien de mal à cela. Ah, Pixie, tu es encore en retard pour le cours. Désolé, on m'a chargé de vous annoncer un truc. Ils vont tirer les équipes pour dresser le tableau du tournoi au dôme. Et ça commence là tout de suite maintenant. Alors tout le monde doit y aller. Oh, évidemment, il fallait que ce soit maintenant, en plein milieu du cours, le plus important. Très bien, les enfants, procédons de manière ordonnée. Tous ceux qui ne seront pas présents au briefing seront exclus du tournoi. Oh punaise, tous au dôme, les gars. Salut Mina, sympa ton équipe. Forcément, ne joue qu'avec les meilleurs. Il faut qu'on aille au dôme sur le champ. Merci pour l'info. Oh, ne me remercie pas. Je ne savais pas rater l'occasion de mettre une raclée à Mina. Alors elle va bien figurer au tournoi. En fait, mon équipe a 83,7% de chances de battre ton équipe. Tu as vraiment calculé tout ça? Et bien sûr, et en d'autres franchises, nos chances de gagner s'élevaient à 57 avant que tu les rejoignes, Baudruche. Bref, rendez-vous demain dès que possible. Tu laisses Baudruche tranquille, sinon ça va chier. Je crois que cette fille te déteste profondément, Mina. De quoi tu parles? On est super potes. Hein? En dodgeball, on a toujours été rivales, c'est sûr, le truc qu'on voit dans tous les mangas de sport. Mais sinon, on s'entend super bien. D'accord, c'est bizarre. Bon, faut qu'on aille au dôme. Ça va, Baudruche? Ouais. Alors, on direction le dôme, parce que nous, jamais en chaume. ouais. Boum. Ouah, ils sont trop cool, le jeu. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Je suis en train de lire une BD sur un sport où les joueurs doivent faire passer le ballon dans un panier. T'imagines un jeu où le but n'est pas d'envoyer un objet dans la figure de ton adversaire. C'est vrai que c'est bizarre. J'espère qu'on va gagner un autre trophée pour le jeu au palmarès de l'école. Ton père était un attrapeur, Otto. Hop. Pouah. Et alors, juste sur votre bureau, où est le blême? Ok, bon, bah en tout cas, Dodgeball Academia, c'est vraiment cool.
Merci à vous d'avoir suivi cette bonne découverte de ce jeu. Moi, franchement, je pense le continuer de mon côté. Je referai peut-être un stream à l'occasion dessus. En tout cas, voilà, merci à vous si vous avez regardé cette découverte sur YouTube ou sur Twitch. Et je vous